Yo, salut les gamers, comment ça va? Moi ça va, Nichmel Chrome. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 3 d'activités What the Fuck. J'espère que la dernière vidéo d'activité vous aura plu. J'essaye d'améliorer max la qualité de mes vidéos et je suis à l'écoute de tous vos conseils. Vous pouvez me donner tous vos conseils en commentaire. Ça m'aide à améliorer mes vidéos. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite avec la troisième activité. Alors c'est parti, on se retrouve sur une course moto, elle se déroule dans les montagnes. À la base on pensait que c'était même pas une activité what the fuck. Je me suis dit ah, laisse tomber, je vais même pas présenter ça, il n'y a rien de what the fuck là-dedans. Et puis finalement, arrivé à la fin, waouh, what the fuck de malade, impossible à passer, il n'y a même personne qui a réussi. D'ailleurs, petit défi, celui qui arrive, GG à lui. Parce que même moi j'ai pas réussi à terminer complètement la course. Je me suis écrasé ma grosse face à la fin. Donc voilà la partie vraiment what the fuck. Et il faut vraiment être le plus patient possible. Parce que si vous voulez aller trop vite, vous tombez automatiquement. Les abonnés, ils se sont même pas pris la tête en fait. Ils ont directement fait le tour, ils sont descendus en bas. Allez hop, c'est fini, on termine la course. Moi j'ai quand même essayé de la terminer. J'ai presque réussi, mais au moment où 30 dernières secondes c'est terminé, je me suis écrasé ma gueule au sol juste devant la ligne d'arrivée, j'ai vraiment ragé. Alors voilà, on va passer tout de suite à la deuxième activité. Ici on se retrouve toujours sur une course moto. Vous allez démarrer du bâtiment IA ou FIB, je sais plus trop en fait. Et déjà au début, vous allez arriver, vous aurez envie de rage quit, un truc de fou. La moitié des joueurs qui étaient avec moi ce jour-là ont même pas su passer le début de la course. Donc franchement, celui qui arrive déjà, nickel, bravo à lui. Et celui qui termine la course, encore mieux quoi. Moi je vous conseille vachement la bâtie, parce qu'avec la Sunchase c'est vraiment difficile pour passer la première partie, le premier point de spawn. Sinon, malgré la difficulté du début, franchement, il y a pas mal de robes, de petits stunts à faire. Les infrastructures sont pas mal faites. Et la course, vraiment, à la fin, est pas mal. Franchement, la partie what the fuck, c'est vraiment à la fin. Là, vous devez escalader toute l'infrastructure, là, qui est pas mal. Je trouve vraiment cette course bien faite, franchement. Voilà, on passe tout de suite à la première activité. Ici on se retrouve sur une course à vélo pour changer un peu et pas toujours merde des courses à moto. Cette course franchement elle mérite amplement sa première place. Elle se déroule au port et tout le monde me l'a dit qu'elle était géniale, qu'il n'y avait rien à redire dessus, qu'elle était pas trop dure, pas trop facile, qu'il y avait tout là où il fallait. Perso j'ai même pas ragé, j'ai pas galéré à la terminer, on s'est vraiment tous bien amusé dessus. Vous aurez des rangs, vous allez devoir faire le tour du gros bâtiment tout en escaladant des rangs, des containers, des bus, un peu de tout en fait. Maintenant si je dois reprocher quelque chose, une seule chose à la course, c'est que le mec a mis un tout petit peu trop de cinématique. Maintenant le concept est vraiment bien pensé. La rampe en forme de demi-U, on va dire ça comme ça, est pas mal faite, il n'y a aucun bug dans la course. Vous avez à aller la tester, tous les liens seront dans la description. Voilà, cette vidéo touche tout doucement à sa fin. J'aimerais en profiter pour vous inviter dans mon groupe Facebook Journal du Geek officiel. N'hésitez pas à venir me rejoindre. N'oubliez pas de laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis bon game les geekettes de mort. We'll be right back.